Fonds Generet is een van de enige fondsen in België en zelfs in Europa dat 1 miljoen euro beschikbaar maakt om te investeren in onderzoek dat wordt uitgevoerd door een toponderzoeker in het domein van de zeldzame ziektes. Veel mensen kennen dat van ALS en mucoviscidose of recent van BBPA, maar zeldzame ziektes zijn elke ziekte die bij minder dan 1 of 2000 mensen voorkomt in Europa. Generet Award is of importance because puts light on a neglected field of medical research, which is the rare disease research. Dat miljoen euro kan worden aangewend om beter te begrijpen hoe een zeldzame ziekte in elkaar steekt en vandaar op basis van de resultaten dit te vertalen naar nieuwe diagnostica en nieuwe behandelingen voor die zeldzame ziekte. Maar tegelijkertijd hopen wij ook dat jonge mensen, jonge wetenschappers geïnspireerd worden om ook in het domein van de zeldzame ziektes eerste stappen te zetten en daar hun loopbaan in uit te bouwen. So the jury members were selected based on their expertise and their being internationally known and renowned. And we have chosen them according to the applications that we received. So the laureate for this year is Professor Steven Laureys from Liège University. He has a very strong record of publication and is extremely experienced in the field of brain research. Essayez de bouger les bras. Très bien, super. Je suis très heureux avec toute l'équipe du Coma Science Group de recevoir aujourd'hui le prix Generet 2019. Notre expertise, c'est de réduire l'incertitude chez les personnes qui ont un coma, qui survivent, mais qui restent dans un état intermédiaire, c'est-à-dire ils sont parfois un peu conscients, c'est ce qu'on appelle l'état de conscience minimale, sans possibilité de communiquer. De là, la valeur ajoutée d'utiliser ces machines qui permettent d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'ils entendent, ils perçoivent la douleur et aussi quel est l'espoir de récupération et comment améliorer avec un projet qui utilise l'apomorphine. C'est un nouveau traitement qu'on a proposé ici, mais il y en a d'autres, la stimulation électrique du cerveau pour essayer de stimuler ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Trois aînés sont partis en voiture sur le chemin du retour. La météo n'était pas bonne, il pleuvait. Et une voiture qui venait d'en face a perdu le contrôle et ils sont venus de face contre la voiture des enfants. Et donc Quentin lui a été projeté à l'avant de la voiture. Quentin actuellement est reconnu comme étant à l'état possi-relationnel. Donc c'est un état de conscience limité. Quentin allait pouvoir vivre, mais on ne savait pas comment il allait pouvoir récupérer après. Peut-être même pas récupérer. Ben maintenant, on est 14 ans après, ou 13 ans, 13 ans. Et voilà, donc maintenant, Quentin est dans un centre, dans une maison de repos qui est à 5 km de la maison. Grâce à ça, on peut lui donner vraiment une qualité de vie maximale, quoi. Le peu que le docteur Laureys a pu déjà découvrir permet de mieux situer l'état du patient. Il peut vivre à l'intérieur de son corps sans pouvoir l'exprimer. Et on dit, tiens, voilà, le patient est à l'état végétatif, il ne comprend pas. Mais si, il comprend tout, mais il ne sait pas interagir. Donc on voit le patient d'une autre manière. Un petit sourire, juste un petit. Ah, ça y est, Thierry. Tu ris un petit coup. Des faux espoirs, en tant que parents, on n'en a pas. Et c'est ça qui est la difficulté, et c'est là que les médecins doivent eux-mêmes prendre la décision et pas demander aux parents qu'est-ce qu'on fait. Parce que nous, l'espoir, on l'a toujours pour notre enfant. Je pense qu'il y a le risque d'un faux espoir,
mais aussi peut-être d'un faux désespoir. Et donc là, je pense que comme communauté médicale, il faut augmenter les efforts à vraiment améliorer la qualité de vie et les chances de récupération après un coma, après un endommagement grave du cerveau. Was prof Hüener per Rosso Sidal emmen en mei 2016 te voorkomen in de Roland België. En toen een hafer in coma beland. Toen Steven Laureys had een hersenscan gemaakt en de hoofden was heel blauw, heel inactief. En toen kreeg je het geel puntje en dat een klein beetje termische werking. Ben je gelukkig te als normaal mensen te gaan sporten en te gaan wegen. Op het ogenblik dat dan de niet-responsieve toestand ontstaat, dat is een hard oordeel, waar in het begin echt ja, weinig tot geen hoop was. En het is op die manier dat we in contact zijn gekomen met Steven Laureys en met zijn diensten van het Coma Science Center in Luik. En ja, het geluk heeft zich dan toch wel voorgedaan dat het herstel er toch wel is gekomen. Dus in die zin neem ik eigenlijk ook steeds meer de woorden van professor Laureys over. Namelijk, uitkomen ontwaken is een werkwoord. Niets doen is geen optie. Momenteel is er te weinig weten over hoe je coma moet behandelen. En dokter Steven Laureys heeft al goed onderzocht en dus veel meer bereikt. Hè. Want dankzij Steven Laureys zit ik hier nu. Dankzij hem zit ik hier nu. Je suis très fier que avec l'équipe on a développé des outils. On a traduit la connaissance scientifique vers une meilleure prise en charge clinique. On continue à améliorer la qualité de vie. C'est ça le but final de cette population. On parle de 150 nouveaux patients en Belgique qui survivent un coma, mais qui restent sans possibilité de communication.